question concernant la nouvelle position de John Lambert, de Joseph Lambert. Mmh. Parce que mon marqué, tout le monde a parlé de déclaration. Hein? Il n'y a pas ces déclarations. Hein? Mais moi, personne ne va dire rien. Comme si on dit, ah, mais Dieu a changé bon, mais Dieu a changé l'idée, mais ça Dieu fait, etc. Donc, nous on était obligé à un document, même si nous nous sommes sur là, on m'a dit qu'il y a un Mélenberg, qui va jouer, mais on était évoquer cet après-midi quelques éléments de réflexion concernant la position, la nouvelle position de Dieu Lambert. À savoir, M. dit la crasse référendum, non? Et j'ai des informations sûres concernant comment on a dit la probabilité, le ministre de Andan, il va avoir une arrêté, tu me dis le ministre de Andan. Parce que si vous êtes ministre ou pas l'arrêté ou sénateur en fonction, donc, ma mère est une journaliste qui était au micro. C'est ma chine, je suis en train de me parler. Quand je suis ministre Andan, tout le monde voit qui doit que le ministre m'a parlé. Le ministre Andan. En dedans, il va le voir ça. Le Andan, en français. Donc, alors, qu'est-ce que tu dis, nous? Depuis 7 février 2021, comme si l'opposition à battre la grosse caisse autour du départ de Jovenel Moïse. Et cette date a été retenue comme la date butoir pour que l'opposition obtienne le départ de Jovenel Moïse. Et nous, on a une bonne institution. Regarde bien, avait dit trois humains, CSPJ, PACA, la justice, et Guillaume, et société civile. Tout le monde a écrit, intellectuel a écrit, et les gars dit donc 7 février 2021. Et il y a une information. Et le ministre de Bagdina, il a fait ça. Il y a une information. Non, monsieur, le ministre de Bagdina, tu es tout perdu. Oui, attendez, non. Les mots fait ça, nous réfléchissons à Rival, qui dit parlement, des forces, c'est là l'assemblée. Et ça, il me dit à quoi Rival. Mais cependant, sur le plan politique, le 7 février, après arriver, tout écrit départ, Jovenel, mandat fini entre des 6 sénateurs qui, selon l'information que Wayne écrit, président Sénat qui dit nous-mêmes, nous bavons les Jovenel. Comment ça te dit, Rabo? 10. 6 dit, il faut Jovenel. Jean Lambert recevoir position ça de façon séparée. Et John Lambert, comme président, il n'a pas exprimé position Sénat. Tellement de bagaille, monsieur dit, le Sénat n'a pas pris position par rapport à 7 février 2021. A remarqué, le Sénat n'a pas jamais en bloc, dit sénateur, même si ce n'est pas l'Assemblée. Mm-hmm. Politiquement, si le Sénat a été pris position, ça, il a pris plus par rapport au regard de l'international, droits humains, sécurité civile, etc. Donc, John Lambert gardait une certaine proximité avec le président de la République, il n'est pas prononcé, donc il va mettre en charge en plus sur la date butoir du 7 février 2021. N'est pas les autant pour ne pas bien rapporter. Donc, pas de prononciation du Sénat sur la date du 7 février 2021. On va être important. Sénat, t'es gagné, président. Il n'est pas touché à Sénat dans la proposition référendum.
Donc, pour protéger l'institution que le Sénat de la République, là, il y a eu une entente et un compromis entre Jovenel Moïse et le Sénat de la République, là, et on dit Joe Lambert. Et ça fait, où est Joe, pas jeune qu'à avancer trop loin dans la position politique sur ça. Et le commentateur jeune, tout sénateur en fonction, même si on va dire clairement, était content le fait que le président pape dans le Sénat. Et dans les réunions privées, entre sénateur avec président, le président dit clairement que le Sénat sera protégé. Je reprends là les propos du président de la République. Donc, sénateur Edmond, pas de problème. Mais, Joe Albert dit président, attendez, président. Même si le Sénat l'a protégé, les formes qu'on mettait CEPA sous PIA, formes sales irrégulières, illégitime, illégal. Il faut d'abord, il faut changer le conseil électoral provisoire et faut fonger pour jouer une entente ou encore avec certains secteurs de l'opposition qui seraient prêts, n'est-ce pas, à signer un accord avec vous pour capable jouer le moyen pour faire une ouverture sur CEPSA, parce que CEPSA, comme il n'y a pas prêté serment, hein, donc jugeant par habilité à organiser un référendum et élection. Ben, nous allons essayer de là. Et Dieu répond, la Constitution dit, dans son article 281.1 et 2, moi, parce président, pas qu'à changer la constitution, mais son héritage du tout, pas l'héritage expliqué comme ça. Pas qu'à changer la constitution, hein? Et c'est l'autre législature qui a le droit de faire ça. Ok? Donc, il faut que le CEP, le sénateur continue à vous dire, président, il faut que le CEP plus ouvert. Et après travail ça, CEPA, depuis un accord, l'a capable de passer devant, et potentiellement, laisser ça la légitime. Dieu de poursuivre, vous dire, écoutez, président, toute cette affaire n'est pas un dialogue sincère. Ok? N'a fait. Mais Dieu voulait être Premier ministre. Pour la première fois, il m'a donné une information à la population. Non, on ne peut pas avoir une information pour craser mon nom. Joe Lambert voulait être Premier ministre, il n'y avait pas encore ça l'information. L'information, c'est que Dieu dit à Jovenel. Mettez le Premier ministre. M'a fait 3 mois. Ah, de quoi parle-t-il, non, comment va-t-il, ce jeune homme? Où vous la formez à vous? Oui. Mettez le Premier ministre. Il fait 3 mois. Après 3 mois, pendant 3 mois, je travaille pour un accord. Je fais un accord. Il va le bloc. Ouais. Je fais un accord. Je vais aller à la retraite. Fatigué dans la politique. Voilà, oui, je vais être. On va mettre nos postes ambassadeurs pour nous occuper. On va mettre un bon Premier ministre ou l'autre Premier ministre pour nous sauver le pays. Pour nous faire ça, nous voulons faire pour le pays. Pour nous sauver la situation et mettre le pays sous rail. M'a écrit ça dans le document Baoua. M'a présenté démission dans la lettre de démission. Date sous 3 mois.
bonne opportunité ça pour mon encore à vous. Passez de babes pour vous. Parce que je dis tout bas est possible avec sénateur qui l'a et parti politique, groupe modéré qui veut jouer encore, finalement, nous bouquer avec Barassa dans le pays. Vous allez continuer à nous dire, au lieu de passer notre temps sur le référendum, parce que nous, Barassa ne doit pas passer. Focus sur les élections. Et Dieu de conseiller au président, attendez, président, l'un focus sur l'élection, comme nous sommes membres des Nations Unies, nous sommes capables de solliciter une assistance technique et nous commander des gens armés, une troupe pour venir, pour assurer sécurité pour nous pendant l'élection, seulement puisque nous avons un accord. Nous avons fait. Et puis après ça, nous parler et puis en tout avec l'opposition à diminuer les problématiques qui gagnent en termes de sécurité dans le pays. Tout ça discuté net. Donc, il y avait eu, on avait une entière confiance entre les deux hommes politiques. Et dernièrement, dans un voice qui chapait sur le réseau, une éminente personnalité dit dans le voice là, au deuxième lundi du mois de janvier 2022, il y a eu 10 sénateurs. Monsieur. Donc, nous ça peut justifier et confirmer position de Lambert de Vaudia. Oui, même si la méthodologie de l'approche. Même si pas quoi, monsieur parler, et vous pouvez dire, mais tout ça passé. Vous ça sorti et vous dit, écoutez, nous prenons note que le sénateur, au deuxième dit, m'a dit ville parler. Ça peut être honnête. Dieu dit président ça. Président fait comme s'il ne pas attendait. Dieu a suivre. La deuxième version, document qui parlait de référendum, constitution, manque de nouvelle constitution, etc. Il a retiré le Sénat de la République. Ça confirmait. Voice autoritaire. En vertu de cette constatation, ou bien suite à cette constatation, Dieu Lambert a décidé de se battre pour conserver le poste légitime que gagne comme sénateur sud-est. Et c'est à partir de cette position que le ministre de Hanodon a déclaré que voilà, il va arrêter tout le monde qui fait des ordres, y compris Dieu Lambert.